Salut, station fréquence, les morceaux classiques comptés à vous tous, de la part de Dandy 33, et c'est parti pour le QSO national du canal 27. Alors, comme à chaque fois, une petite vidéo, et on est le vendredi 5 février 2016. Alors, qui c'est qui est là? Jean-Philippe, département 40, les bonnes sur 13, 51 à toi. Il y a Eric qui doit pas être très loin, je pense. Ouais, 73, 51, arrivé, j'habite, bonjour à tout le monde. Les bonnes sur 13, 51, Eric. Bon, il y a Jean-Philippe, département 40, là, qui est derrière, toi, il était à la fuite, là, il nous attendait, ouais. Ok, 73, 51, Jean-Philippe, je sais pas si m'entend, les bonnes invités. Affirmatif, 100% QSL, donc c'est Philippe, et Jean-Philippe arrivera tout à l'heure. Ok, d'accord. Bon, bah ça va, ça commence bien. Oui, alors donc, voilà, suite à un message que j'ai eu là sur, sur Facebook, hein, nous devons laisser des petits blancs un petit peu plus grands avant de reprendre le micro, car on a le département 65 qui à chaque fois essaie de rentrer dans le QSO, mais à cause de nous, bon, ben, on les bloque. Voilà, car là-bas, sur les Hautes-Pyrénées, là, sur le département 65, là, ils nous entendent, Eric. Retour, Eric. Ok, 100% QSL, voilà, mais, je salue nos amis des Hautes-Pyrénées, alors il n'y a aucun problème. Visiblement, ils ne sont pas encore là. Attends, oui Philippe, vas-y, retourne le micro sur toi, si tu entends quelqu'un, vas-y, fais-le rentrer. Ok, alors Eric, pour le 12, le 12 mars, Radio Broc, Cestas. Bon, on a du monde qui vont arriver même du nord, je crois que ça doit être, je sais plus si c'est Rouen ou Reims, je sais plus, non pas Rouen, ou Troyes, non je crois que c'est Troyes. Je sais plus, de ce côté-là, quoi, qui vont venir spécialement nous rencontrer et Radio Broc en même temps, quoi. Ben c'est super, impeccable, ce sera de faux plaisanterie. Oui, tu le connais peut-être, Eric, sur Facebook, c'est Sylvain Nounours, voilà, bon, tu dois voir qui c'est certainement. Négatif. Ah, et bien il est en ce moment, il est actif de son côté, il est à chaque fois il se met sur une colline et puis en avant jusqu'à bien environ minuit quoi. Ok, de quel côté il se trouve? Alors attends, il faut que je le retrouve. Attends, deux secondes. Je te laisse le micro avec Philippe le temps que je trouve exactement son QTH.
Philippe. Je sais pas si tu m'entends, Philippe. Je te re-salue. J'ai du mal à te sortir. Hein. Ok, c'est département 3, oui, c'est, il est sur la ville de Troyes, de ce côté-là, quoi. Voilà, c'est, je suis sur son profil. Ok, ok, en effet, oui, c'est pas la porte à côté, ouais. Voilà, c'est, je suis en train de lui répondre en même temps. Ouais, ouais, ben, je vois, c'est ce qu'il y a de marqué. Ouais, ben oui. Et il va venir spécialement, justement, là, sur la Gironde, là, pour Radio Brac, nous voir, tout ça, quoi. Donc, il arrivera la veille. Ouais, ben, c'est super, impeccable, voilà. Je pense qu'on va être rien du monde cette année, je pense. Oui, alors, ce serait 3, 10, apparemment. C'est, ça doit être le département 10. Bon, alors, qu'est-ce qu'il m'a mis? J'ai l'impression... eh ben, si... ça doit être ça. Ah, mais il est pas loin de chez Pascal, en fin de compte, hein, département près. Alors oui, il y a bon, il y a lui, Sylvain, il y a Pascal 14ODR001, nous autres, d'après ce que j'ai vu, il y a d'autres personnes là, qui sont intéressées aussi. J'ai pas trop regardé d'où ils arrivent. Et ouais, il devrait y avoir un peu de monde. En espérant qu'on se retrouve tous, qu'on se reconnaisse tous là-bas, ça sera encore plus sympa. Ah, mais écoute, t'as les petites étiquettes qui vont bien, apparemment, non? J'ai les petites étiquettes qui vont bien. Oui, oui, oh putain, oui, il faut que je mette mon gilet, t'as raison. Ah, tu vois, non, mais sur le coup, j'avais zappé, quoi. Avec ça, on va te reconnaître. Ouais, je pense. Bon, qui est passé une bonne semaine. Ah oui, entrecoupé le boulot et tout ça. Par contre, côté propag, c'est pas top. Hein. Cet après-midi, je suis allé là sur la colline. Il devait être 3h moins le quart, je crois, un truc comme ça. Je sais plus, dans ces eaux-là. Et pour voir un petit peu, j'avais quelques photos à prendre là pour quelqu'un, là depuis sur le dessus de la colline. Hein. Et j'avais la station d'allumée dans le push. Putain, le silence complet, quoi. Là sur le 12 sup. Hein. Putain, là j'ai pas compris, quoi. Ah, j'ai dit ça devient dramatique. Là, il faudrait que la propague revienne, hein, parce que là j'ai les petits cousins, je les entends plus. Ouais, par contre, je sais pas si toi t'as entendu hier, il y a les grues qui commencent déjà à remonter, et là je vois chez moi, j'ai les arbres là qui bourgeonnent, on voit le bout là qui commence à s'ouvrir. Attention à ce que tu dis, ça pourrait être mal interprété. Bon, Chamou, il sera pas là ce soir, il a du monde au QRA, donc, eh bien, voilà, je l'ai eu tout à l'heure, en début de soirée, là, ben, ici, justement, il a fait un petit passage, bon, il m'a averti qu'il pourrait pas être là, là, ce soir, on dirait que c'est un petit peu diesel, Daniel, Centaure, Coco33, JFK, je sais plus, ah, j'ai oublié, j'ai sapé son indicatif, du nord de la Gironde, Jean-Paul, Fabrice, je sais pas, peut-être qu'ils vont venir tout à l'heure, bon, on verra bien. Pour ma part, demain matin, je me lève à 4 heures, donc je resterai pas jusqu'à minuit, hein, ça c'est sûr. Ok, y a pas de problème. Allez, bah, écoute, fais tourner alors. Alors, ok, les stations qui seraient derrière en fréquence, allez-y, on vous, la porte est grande ouverte.
Ah ben alors là. Y a pas un truc ce soir à la télé, je sais pas, là, qui bloquerait là, les stations là de devant la Tank Victorine. Écoute, je sais pas si la si le bel blanc ou le bel brune, je sais pas. Ah, alors attends, voilà, là j'ai une info là. Alors ok, Bernard, à ta 114 unités francophones 01, à ta 100 Bernard, 14 unités francophones 01, pour Rémi qui te lance appel, vas-y en avant. Attention Bernard, attention 14 unités francophones 01, attention Bernard, 14 unités francophones 01, pour le sud-ouest qui est à ton écoute. Bon, il est juste à côté de Royan, Eric. Ah, quelqu'un s'est manifesté là, vas-y. J'ai entendu un truc. Oui, il y a quelqu'un qui s'est manifesté là. Ouais, juste avant de commencer le QSO, c'est pareil, il y avait quelqu'un qui faisait quelques petits trucs là sur la fréquence. J'entends parler, j'entends plus rien. Bon, ok. Et de ton côté, Bernard, tu l'entends pas non plus, quoi. Non, là, c'est dit, hein, que là, j'entends que toi, ce soir. Ok. On va peut-être retourner le micro, là, du côté de Philippe, là, pour voir un petit peu, là, ce qu'il a fait cette semaine, au niveau des ondes, enfin, s'il va bien, tout. Retour à toi, Philippe. Ok, ben c'est intéressant ça, justement. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là sur les antennes là, que tu confectionnes? Quels sont leurs noms? Est-ce qu'on peut trouver facilement les schémas? Des antennes, je la pratique avec une certaine main, pour la rétention verticale.
entraînements de quad à l'arrière, avec le récepteur et le radiateur en quad, et les entraînements psychodynamiques, Ok, ben c'est pas mal tout ça. Ok, d'accord. Alors, nous avons toujours Bernard qui essaie désespérément de lancer des appels depuis Royan. Il se désespère de son côté, le pauvre Bernard. Attends, excuse-moi Philippe, on va essayer là de refaire rentrer à nouveau Bernard. Bernard, 14 unités francophones 01. Bon, si tu arrives à m'entendre, vas-y, rentre dans le QSO. Bon Eric, peux-tu essayer de l'appeler là, Bernard, 14 unités francophones 01. Attention Bernard 14 unités francophones 01 pour 14 Victor et Corel 7. L'opérateur Eric à l'écoute. Je ne sais pas si tu nous entends Bernard, mais laisse-nous un petit message sur Facebook apparemment, puisque c'est apparemment là avec lequel Rémi communique. Donc laisse-nous un petit message, ça ne sait pas. Ouais, ben c'est ce qu'il a. Voilà, ben c'est pour ça que là j'essaie à chaque fois de le faire entrer, parce que justement il est dessus. J'ai relancé des appels, toujours en USB 27275. Alors, hélas, mais tu vois, je suis toujours avec vous. Voilà le petit message qu'il nous a laissé. Ok, il nous entend ou pas? Je lui demande. Voilà, pendant ce temps-là, s'il y a d'autres stations là qui veulent rentrer dans le QSO, les stations du département 65, là, les Hautes-Pyrénées, allez-y en avant, on est tout ouïe. Ah, il y a eu un truc là, oui, en avant, c'est, ah, ça devait être en AM. Ouais, la station, si tu nous entends, on est en uniforme Sierra Bravo. Ah oui, bien sûr, si je reste comme ça en AM. Attends, en USB. Attends, deux secondes, je bascule. On est en USB, la station, on est en USB. Voilà, c'est, je vais passer le message vite fait rapidos, parce que au niveau puissance, j'étais pas trop top là pour l'Alpha Lima. Ok, attends, il y a quelqu'un qui vient de nous parler là. Oui, la station en avant. Mais c'est manifesté là, oui, en avant. C'est peut-être moi qui t'ai entendu. Pourtant, non, on dirait pas, enfin, je sais pas. Ok, essaie de renumer ton appel en direction de Bernard. Il a tout renommé la directive sur la Gironde. Bernard, 14 unités francophones 01. Ok, attention Bernard, 14 unités francophones 01 pour 14 Victor et Corel 7, les 73-51. Si tu nous entends Bernard, si tu as tourné la directive, mais écoute, laisse un petit message à Rémi, parce que nous pour l'instant c'est du négatif, voilà. Allez, à toi Bernard.
Ok, les BAT 73, Franck, si tu nous entends, je sais pas sur quel QTH tu es, est-ce que c'est bien notre QSO qui est très calme ce soir que tu entends? Alors, voyons un petit peu ton QTH. Alors, que ça s'affiche plus vite, j'aimerais bien. Vite, 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 vite. Alors, il est pas. Il est par là, il est par où, je sais pas. Ah, apparemment, il y a un OM, Franck F, quelque chose, qui nous entend, là. Ok, sur quel QTH? Eh bien, justement, je ne l'ai pas trouvé. Bon, c'est pas grave, on va continuer le QSO. 220. On va essayer de faire en sorte de laisser des blancs un peu plus espacés par rapport au précédent QSO. Et puis quand ça breakera, eh bien on fera rentrer de suite. Et puis voilà, ça marchera comme ça. Quoi. Ok, Philippe, donc tu nous as dit que là que tu fabriquais des antennes. Donc celle que tu te sers en ce moment, c'est une de fabrication OM? Mètres du sol, et moi qui ai 9 mètres, eh bien, il me manque un peu de hauteur là. Et t'as pas eu de problème pour monter à 15 mètres de haut? T'es peut-être dans un endroit qui est pas mal isolé. Hein. Ah ben oui, tu m'étonnes, avec des hauteurs pareilles, c'est sûr que le moindre courant d'air, ça y est, tu le sens là. Remarque, je comprends pourquoi tu as une antenne comme ça, quoi. Et c'est un auto. Tu t'es fabriqué un pylône autoportant ou au banné? D'accord, ok, donc c'est un autoportant basculant. Ah oui, ça c'est pas mal ça. Mais ouais, t'as dû faire un sacré socle, une sacrée dalle en béton là pour pouvoir le supporter quoi. Ah oui, il y a de quoi couvrir la maison avec un chi trois coups. Ok, Eric, t'as entendu un petit peu là ça? Il a une sacrée installation, hein, Philippe. Où c'est qu'il est, Philippe? Parce que je l'ai appelé. Département 40. Ah ouais, mais de où? De quel côté plus précisément? Nord-est, c'est ça, t'es au nord-est du département 40, hein, Philippe. Ok, il est limite département 33 et Gers. Voilà, département 32. Voilà, il est de ce côté-là, quoi. Ah, d'accord, ok. Je sais pas si m'entends, mais moi, je dis, je l'entends qui parle, mais je comprends pas.
Eh bien, moi, je saute sur le volume entre toi et lui. En marque, comme ça me fait fonctionner le bouton. Et il est bien lubrifié, là, maintenant. Là. Et alors, c'est vrai que là, pour pouvoir l'entendre correctement, là, je monte quand même pas mal le volume. Et il y a comme ça que j'arrive à sortir correctement. Mais bon, j'entends bien. Hein, ça va. Hein. Ok, je sais pas, il m'entend ou comment? Ouais, affirmatif, il t'entend, ouais. Ah, Philippe, je t'entends plus, là. J'entends quelqu'un d'autre. J'ose pas trop prendre le micro. Alors, message de Bernard, eh ben il m'entend, il entend un Roger Beep là dans le lointain, eh ben oui, les 73 Bernard, il n'y a pas de souci, c'est bien moi, t'en verras les 88 à Micheline. Voilà, donc tu vois, il arrive à nous entendre, il entend Roger Beep derrière, donc oui, c'est bien moi. Mais là, ça passe pas, j'arrive pas à l'entendre. J'entends parler dans le lointain. Philippe, t'as quelqu'un qui parle avec toi? S'il répond pas, c'est que oui, apparemment. J'entends personne ce soir. Ah oui, putain, je suis étonné, c'est calme, hein. Putain, la vache. Bon, alors, attends que je regarde la vidéo. Ouais, donc là, j'ai la vidéo qui est en train de prendre fin. Donc, eh bien, les bonnes sur 1351 à vous. Désolé de ne pas vous faire entendre plus de monde ce soir, c'est relativement calme. Et comme bien souvent, bah, les stations arrivent après la vidéo. Donc, bye à ceux qui vont regarder la vidéo. Nous, on continue.